Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui se passe au potager au mois d'octobre. On est le vendredi des vacances. Donc juste avant. Et donc là, on va se balader un petit peu par là et on trouve des châtaignes. Beaucoup de bocs de châtaignes aussi. Hop. Ah bah là, il y en a deux. Hop. Là, il y en a encore une là. Faut se dire que, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais jardinière l'autre jour et j'ai déjà récupéré une jardinière entière. Oh, faut vraiment que je fasse des efforts sur le cadrage, par contre, désolé. Ah oh, punaise. Regardez-moi ça, ça s'arrête jamais. Tiens, j'en ai une sous le pied là, non? Non, c'est un bug. Là, on voit, c'est un bug. Toc. Je vais en profiter pour vous montrer un peu l'avancée de la cabane. Je ramasse juste cette châtaigne là. Je vais la poser dans la jardinière. On a déjà fait deux poêlés, hein. Enfin, poêlés. On les fait cuire la cocotte. Elle est passée où? Ah oui, là. Top, on retourne là-bas. Hop, allez. Tout ça, là. Donc, le projet ce week-end. Ah, il y a encore une là. Ah, puis une autre là. Ah, puis une autre là. Je suis désolé, hein, mais quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Du coup, je suis capable de ramasser les châtaignes comme ça pendant je sais pas combien de temps, tant que j'ai pas tout ramassé. Tac. Bon, voilà. Donc la cabane elle ressemble à ça, et l'objectif c'est de la finir, tout simplement. Il y a une chaise là-dedans. Voilà, ok, on montre. Hein. Non, c'est des planches bien costauds, bien tout. Ah, il y en a encore. Ah, je suis vraiment désolé, mais c'est plus fort que moi. Voilà. Ah, il y a encore une. Ah, je peux y aller. Bon, voilà. On va aller voir un petit coup dans le potager. Ah, c'est pas possible. Parce que je me dis que, ce qui est plutôt vrai d'ailleurs, c'est que quand on voit une châtaigne, après quand on repasse, on la revoit pas. Donc du coup, j'ai tendance à ramasser. J'ai cueilli mes butternuts. J'en ai un troisième qui arrive, mais je sais pas si je vais réussir à l'avoir assez gros ou pas. Donc faut me dire d'ailleurs, si quelqu'un a des petites recettes, trucs comme ça, je pense que je vais juste les faire cuire au four. Mais bon après, je sais pas, donc si quelqu'un a des idées, je prends. Bon bah, voilà, et puis en fou aussi, là-bas j'ai une aubergine. Qu'on voit, donc c'est quand même qu'elle est grosse. Une courgette là, ah non, je crois qu'elle est bouffée. Puis de tomates, enfin. Voilà, voilà, bon je m'occupe pas trop, hein, parce que comme vous savez, je suis pas là du coup la semaine. Donc c'est compliqué. Le topis, je vais attendre qu'il crève complètement, puis je vais les récupérer. Et puis voilà. Bon, ça va couper, c'est parti. Toc, donc. Là, là. Oula, c'est en herbe ici. Là, on voit qu'il y a un panier qui s'est remis à fleurir. Bon. Ça, c'est de l'oignon blanc qui risque de fleurir aussi. Ça, c'est du poireau en fait. Ces poireaux-là, ils ont une petite histoire. Parce que, en fait, si vous vous rappelez, là, c'était des longues tiges de poireaux. Et en fait, je l'ai juste coupé la tige. Ce qui fait qu'en fait, il y a encore les racines dans le sol. Et du coup, c'est reparti. Ça, c'est neuf. Mais ça, c'est des vieux. Bon, les blettes, je vais les cuire là, début de semaine prochaine. Et là, pareil, la blette, je l'ai laissée. Puis on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Je vais juste vous montrer. Bon, pas grand chose, hein, pour regarder un peu les haies comme ça, vite fait. On a beaucoup de châtaignes en ce moment. Les noisettes, ça devrait pas tarder. Ça m'agace d'ailleurs parce que je voudrais bien lancer un peu un tel dynastie, mais là comme on voit il a encore beaucoup de feuilles vertes en plus, même si oui, ça commence à tomber, donc ça putain, il y a un bel artichaut. On met de la vente. Qu'est-ce que je ferai là? Bon, ça c'est quoi? Hop, ça va là. Voilà, voilà, je sais plus si je vais montrer le butternut, mais je les ai rentrés donc c'est un peu tard. Ouais. Ça peut être un contenu bien riche parce que là je sais pas trop quoi dire. Bon bah il y a des châtaignes. Voilà. C'est cool. Il va falloir que je bosse, hein, parce que là ce week-end mon objectif ça serait de ramasser tous les bocs des châtaignes. Ramasser toutes les châtaignes. Il y en a encore une là. Hop. Si j'arrive. Il y en a même une autre là. Hop. Le but c'est de ramasser toutes les châtaignes. Et puis ensuite de ramasser tous les bocs. Et puis ensuite de passer un coup de droite au herbe. On va ramasser un peu
toutes ces feuilles. Et puis on verra, je referai une vidéo dessus parce que du coup, ça sera le moment d'amender notre sol. Et puis, alors ça va être sûrement ça. Je vais faire ça sur mon demain. C'est ma cabane. Bah, elle a eu un fer à cheval. J'y arrivais. Ouais, ma cabane, parce que là, enfin, je m'y mets vraiment aussi. Puis une fois que j'ai fait tout ça, bah, je suis déjà content. Et puis, si j'ai encore le temps, ce qui risque d'être. C'est pas sûr, mais je pense que ce sera le cas quand même. Bah, on verra. Je vais me trouver quelque chose à faire. Faut pas s'inquiéter dessus. Quoique. Ah, je peux y arriver. Donc. Ah, encore une qui va tomber, non? Pas très ancien. Voilà. Déjà. Il est déjà plein. Bon, voilà. Bon, je vous remercie de votre fidélité. On va aller voir par là. Parce que, bah. J'ai. Que dire? Vous êtes 110 sur la chaîne, c'est génial. C'est incroyable, c'est tout ce que vous voulez. Donc. Voilà, c'est vraiment incroyable. Merci, merci, merci à tous. Tiens, là, on a une fleur non pollinisée. Quoique. Je dis non pollinisée, mais après tout, je sais pas. Ouais. Merci vraiment à tout le monde. J'ai 15. Oh là! Désolé, je suis tombé. J'ai 15 000 vues donc, en tout sur la chaîne depuis le début, ça fait 2 ans. Donc c'est pareil, c'est assez incroyable. Je vous remercierai jamais assez. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus. Enfin, c'est un peu ça d'habitude, hein, mais du coup, merci à vous. Merci à tous ceux qui rejoindront la chaîne aussi, hein, un peu dans les années futures, dans les mois futurs, dans les jours futurs, voire maintenant. Et parce que bah, vous êtes incroyables aussi, ou incroyaux, mais du coup, vous n'aurez pas trop la ref, mais voilà. Voilà, je vais encore essayer d'améliorer mon cadrage parce que j'ai eu un commentaire pas trop longtemps en me disant que mon cadrage n'était pas fou. Mais bon, c'est dans la voie Lipini, donc ça peut se comprendre. Bon, là, aujourd'hui, mon cadrage, il ne doit pas être très fou non plus. Mais bon, voilà. Puis j'espère que ça tangue moins, même si j'ai bougé beaucoup. Voilà, merci encore une fois à tout le monde. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. D'ailleurs, on s'est pris 80 mm sur la gueule, hein, toute la semaine, j'ai un. Et j'aurais juste faire un truc. Vous croyez que c'est costaud ce truc-là? Parce que je pense que je vais essayer de monter dessus parce qu'il y a plein de bugs et tout. Donc voilà, si quelqu'un se connaît un peu, je sais pas tout ce que c'est de la tôle, du béton, enfin je sais pas, je vais essayer, on verra. Ben, si je me casse la gueule et que je crève, ben, c'est pour ça. Voilà! Bon, faut que j'arrête de dire les conneries, moi, parce qu'un jour je vais me faire censurer. Allez, bye bye. Au revoir et encore merci. Bye bye.